c'est parti, on est enfin déconfiné. Donc Erwan, t'es venu nous présenter une 595 petite. Donc c'est de quelle année? Allez, de 2019. T'as quoi comme cylindrée là-dedans? C'est un 1.4 T-Jet 16 soupapes, 180 chevaux. Combien? 180. Ah merde, parce que là je suis en pleine découverte et donc ça fait 180 chevaux. Ouais. Et pour quel poids? Ça fait environ une tonne 1, une tonne 150 en vérifié. Je voulais qu'on parle de la couleur, puisqu'elle est vraiment magnifique. Donc moi, tout à l'heure, on parlait hors caméra, je pensais que c'était un jaune, mais en fait, c'est un vert. Ouais, c'est vert, Verde Adrenalina. Donc, il a été inauguré en 2019. D'accord. Au début, en France, il était disponible que sur la Competizione. Et là, depuis quelques mois, elle est disponible sur la nouvelle piste. Donc j'aime beaucoup, moi, cette petite bande sur laquelle, en fait, on retrouve... l'inscription Abarth. Au niveau du freinage, donc pareil, tu es en freinage d'origine. C'est plutôt pas mal ce qu'ils mettent, c'est du 4 pistons. 4 pistons Brembo et les disques c'est du 305 percé. C'est marrant parce que du coup ils mettent quand même du 4 pistons sur, sur une voiture qui est si légère. Ouais, sur toutes les compétitionnées il y a du 4 pistons. D'accord, donc elles sont plus orientées vraiment enfin, pour la piste quoi. Et ouais, c'est un petit peu on va dire l'ultime version entre guillemets qui existe actuellement sur les 500 quoi. Intérieur du feu, on voit la coque. Ouais. Donc la coque de la carrosserie. C'est ce qui la différencie, c'est une nouvelle phase, c'est quoi en fait? Là c'est la phase 4. Donc, entre phase 1, phase 2, phase 3, il n'y a pas vraiment de différence extérieure. Ça va être plus intérieur, motorisation, etc. Je vois qu'on a 4 pots d'échappement. Ouais, ça, c'est plutôt sympa. D'accord. Donc celui-là c'est le Monza 2019. Donc ce qui change en fait c'est qu'il y a une valve. Ouais. Qui est géré avec le bouton sport. Bah tant qu'on y est, tu veux peut-être nous montrer le bruit que ça fait. Donc il y a un système de valve, donc d'origine. Hein. Yes, d'origine. Là elle est fermée. Ouais, on sent que le bruit est absorbé hein. Et là tu ouvres. Ouais, c'est joli. Au niveau de l'intérieur, les sièges sont vraiment très très beaux. Souvent sur les chez Fiat, je trouve que les sièges sont beaux. Ouais, franchement, ils sont bien et puis ça maintient super bien. Ouais. Et ils sont pas si inconfortables que ça, franchement. Ouais, on est bien dedans. Ça va, pourtant j'ai des petits problèmes de dos et ouais, on est bien dedans. Je vois qu'il y a des petites touches d'Alcantara. Ouais, c'est parce qu'en fait il y a le pack perf dessus. Parce qu'en fait toutes les compétitionnées ont des sabeltes d'origine. Et quand tu prends le pack performance, en fait les sabeltes passent en tissu, Alcantara et cuir. Ici, ah ouais, ça fait quand même pas mal de matière en un seul siège. Hein. Au niveau de la position de conduite, est-ce que j'ai le droit de faire des petits reproches? Ouais, ça fait un peu camion, non? Ça fait un peu camion, c'est exactement ce que je voulais dire, tu me l'as volé de la bouche. On a la boîte de vitesse à portée de main, ça me fait penser un petit peu, tu sais, au stylo P3. Franchement, ça tombe super bien sous la main. Ouais. Et niveau position, on est un petit peu haut, mais ça passe. Volant qui est réglable un petit peu. Ça ouais, volant aider. Réglable. Par contre, en hauteur, le siège, il bouge pas. T'as ta pression turbo? Ouais. Bon, c'est un petit gadget, hein, parce qu'il est pas hyper fiable non plus. Il y a des petites retouches en carbone au niveau du volant. Yes. Je trouve qu'ils ont quand même vachement soigné les finitions. Hein. Pareil, on a un rappel d'Alcantara ici, sur la tête du tableau, enfin du compteur. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli. Le petit logo 70 ans ici. Ouais. Donc ça, c'est toutes les Abarth qui sont sorties en 2019 ont ce logo-là. Et après, j'ai aussi le logo sur les sièges 70. Ça, c'est pour toutes les Abarth qui sont rentrées en production. Dans la deuxième partie de 2019. Je voulais savoir, au niveau de l'arrière, il y a un peu de place ou c'est vraiment pour les petits gabarits, voire les enfants? Bah, installe-toi. Bon, je suis plutôt confort. Là, ça va, t'as de la place. J'ai quand même assez d'espace. Maintenant, vas-y, va derrière. Là, par contre, c'est un peu galère pour rentrer. Bon, c'est une bonne surprise, du coup, j'imagine, si tu me demandes de m'installer. Ça va, franchement, pour la taille de la voiture, moi, je pense que ça va. Alors, voyons voir. Ouais, non, c'est pas mal. C'est franchement pas mal. Est-ce que tu mesures, t'es un peu grand quand même? Je suis 1m80 pile. Ouais, c'est... Donc moi je passe. Ouais, bah je pourrais presque, tu vois, tu avancerais un poil le siège, je pourrais presque avoir mes jambes en position normale. C'est sûr, c'est pas une berline, mais pour une petite voiture comme ça, c'est acceptable. Ça vaut combien ça, catalogue? Alors, sans option, on est à 26 590 euros. Ouais. De mémoire. Moi, là, avec toutes les options, je suis à 32 040. Ouais. Et je l'ai payé un petit peu moins de 30 000. Non, ça va encore. Non. Tu vois, je m'attendais à plus cher. Bah, ça peut piquer, mais après, en fait, ce qui fait grimper le prix, c'est vraiment les options. Donc, elle est full stock. Ouais, entièrement. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle est encore sous garantie. D'accord. Mais elle va pas rester d'origine très longtemps. Le mois prochain, elle part en gestion.
Donc moi, prochain en gestion. Donc en stage 1, ça sort à peu près combien de chevaux ça? 200, à peu près 200 et 340 Nm. Petite question concernant Abarth, ça représente quoi ce scorpion? C'était le signe astrologique du créateur de la marque. Le bloc, c'est quand même très 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 concentré. Hein. Ouais, il n'y a pas de place. Hein. On n'a pas de place. Où est le turbo? Il est juste là. Il est juste là, d'accord. Ok, non, ça va, il est pas si petit que ça. Hein. Non, il est plutôt gros quand même. Ouais, ouais, je... 14,46. Ouais, je trouve assez imposant. Ouais, par contre, ouais, c'est vrai que t'es. Bah, c'est très concentré. La place, parce qu'en vrai, si tu regardes en dessous, il y a un petit peu plus de place, mais c'est vrai que pour travailler, c'est pas. Ouais, ouais. Ouais, avant ouais. J'avais la Punto avec le même moteur et il a beaucoup plus de place. Et niveau performance du coup c'est au-dessus de la Punto. Donc rappelle-nous quel modèle de la Punto. J'avais une Punto Evo 163 chevaux à Abarth en stage 1+, elle sortait 193 chevaux. Et là avec les 180 je pense que ça se vaut. Peut-être aller même un petit peu devant la 500. Mais après je sais pas si c'est des voitures qui pointent au niveau de l'aérodynamisme. Ça doit pas être foufou hein. On est quand même sur une voiture à faible gabarit qui est assez ronde au niveau des formes, je sais pas comment ça marche en ligne droite, ça, c'est bien. J'ai jamais poussé encore, mais c'est donné pour 225 chronos. Et on voit qu'on a un toit ouvrant, on a un petit béquet arrière qui met bien en valeur les formes de la voiture. Non, une belle caisse en perspective. Hein. Franchement, je connais pas et j'ai assez hâte de voir ce que ça donne sur la route en termes de confort, en termes de châssis, en termes de reprise, en termes de couple. Voir ce que ça donne. C'est sympa, ça se comporte un peu à l'ancienne, comme les vieilles GTI en turbo, c'est ça charge un petit peu tard et ça arrive d'un coup. Ah, sympa. On va à l'intérieur. On ira à droite. C'est un petit détail sympa, je vois la clé est aux couleurs de la carrosserie. Ouais, c'est pas d'origine ça. Ah, c'est pas d'origine. Ah, c'est plutôt bien fait. Hein. On a un petit rappel 500 ici. Bah, c'est d'ailleurs un peu bizarre, c'est qu'ils l'appellent 595 et c'est écrit 500 là et 500 sur le coffre. C'est vrai qu'ils auraient pu mettre 595. On ira à gauche. Est-ce que j'ai le droit de dire que c'est un petit peu tape-cul? Oui, bah oui, un petit peu. Mais ça va. Ça peut aller. Ça va encore, mais pour l'instant, c'est plus tape-cul par exemple que la Clio. Ah ouais? Ouais. Ouais, ouais. Alors que tu nous disais qu'on est sur du 17. Ouais. Alors que la Clio est en 18. Mais je trouve que c'est un petit peu de tape. Tu ressens bien la route, on va dire. Ouais. C'est peut-être les amortisseurs qui font ça, c'est des Konis FSD. Ouais. Et du coup, c'est un petit peu tape-cul, mais enfin, ça va. On est haut, j'ai l'impression. Un petit peu. Ou alors, c'est peut-être le siège qui fait ça. Ouais. Mais j'ai la sensation d'être assez haut. Ouais, on est haut. La voiture, elle est un peu haute de base, je trouve. Et ouais, c'est vrai qu'on est un petit peu haut. J'ai l'impression que je vais toucher le toit alors que je suis pas grand. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu viens d'une Punto Abarth. Pourquoi ouais. T'être dirigé sur une voiture à plus petit gabarit? Je sais pas. En fait, les 500, je les ai toujours trouvés jolis. Et ce que. Attends, je vais fermer. Ouais, on va peut-être fermer, on s'entendra mieux. Ce que je regrettais un petit peu sur la Punto, c'est qu'on pouvait trouver aucune pièce. Que ça soit esthétique ou performance, c'était un petit peu plus compliqué qu'une 500. Et. Du coup, ça me donnait envie de prendre une 500 parce que tu pouvais acheter, il y a 50 millions de trucs différents à acheter. Et en fait, je regardais pas spécialement. Là-bas, je voulais une Hyundai 30N. Oh là là, j'adore cette caisse. Sauf que l'assurance, ils m'ont dit non. Donc du coup, j'ai quand même essayé de trouver une assurance qui pouvait m'assurer une 30N. Et puis au final, ça tombait pas dans mon budget totalement. Et pour le prix d'une 500 du coup comme celle-là neuve, j'avais à peine une trentaine d'occasions. Ouais. Ouais, c'est vrai. Il y a aussi, beaucoup se rendent compte, mais il y a aussi le plaisir de s'acheter une voiture neuve. Ouais. Je ne dis pas que je le referai, je l'ai fait pour la Clio. Bah, moi, pareil, je ne le referai pas. Mais ouais, je pense qu'il faut le faire une fois pour comprendre qu'il voilà. Ne faut pas le refaire. Voilà. Mais c'est quand même un petit kiff parce que tu vas en concession, tu dis je veux ça, ouais. Dedans, je veux ça, je la veux comme ça. Et puis bah, tu vis en concession, elle est sous bâche, elle est toute neuve, c'est ça, ça sent bon, tu sais, tu connais tout l'historique de la voiture vu que exactement. C'est la tienne. Les plus petites motorisations, c'est 135 sur les Abarth. Sur les anciennes, c'était 135, ouais, maintenant c'est 145. 145, d'accord. Et là, on est vraiment au summum 180 ou il y a encore au-dessus? Il n'y a plus au-dessus. Avant, il y avait la Biposto à 190. Mais maintenant, c'est celle-là. Qui coûtait une blinde. Hein. Elle coûtait 45 009 sans option, donc sans la boîte à crevaux, sans rien. Et 60 000, un peu plus de 60 000 avec toutes les options. Incroyable. Bon, ça me ferait un peu mal de mettre une telle somme dans une 500, dans une si petite voiture. En parlant de petite voiture, je voulais savoir aussi, ça doit être super pratique pour se garer et puis utiliser au quotidien. Ouais, ça c'est bien. C'est bien un peu où tu veux. Ouais, et puis niveau ressenti, quand t'as ressouillé un petit peu, c'est un petit kart, non? Ouais, ça fait un peu karting. Et tu sens que. Enfin,
tu sens toute la voiture, quoi. Tu sais où est l'arrière, où est l'avant, quoi. Alors si tu prends une grosse berline, tu te dis. Ouais, et en parlant de l'arrière, je te coupe parce que tu m'en as parlé tout à l'heure, ça glisse un petit peu. Bah, je trouve qu'elle glisse un peu, ouais. Ouais. Par rapport à ma Punto, elle glisse beaucoup. Donc, je sais pas si c'est moi qui sais pas encore bien la prendre en main. Parce que je sors de la Punto et je la connaissais vraiment par cœur. Tiens, pour voir un petit peu comment ça marche. Ouais, ça marche quand même pas mal, hein. Ouais, ça marche pas mal. Je trouve que c'est lissé. Par contre, tu me disais que. Alors peut-être qu'on était peut-être parti un petit peu haut dans les tours. Un petit peu haut, ouais, parce que je m'attendais à avoir, tu sais, la sensation turbo dont tu me parlais tout à l'heure. Ouais, faudrait que je parle. Et je l'ai pas très. Pas si bien senti que ça. Donc peut-être que t'es parti haut, donc à plus bas régime, peut-être qu'on le ressentirait mieux, cette sensation de turbo qui charge. Ouais, là je le sens. Voilà, là je le sens. Ouais, là je sens la différence, effectivement. Ah, ça marche bien quand même, hein. Ça va, c'est pas dégueu. Ouais, t'es parti en deux. Là j'étais en trois, là. En trois. Ah ouais, pour du. Ouais, je le sens mieux. Je sens mieux cette sensation. Ouais, ouais. Par contre, Erwan, je suis désolé, mais c'est silencieux. Ça fait pas tant de bruit que ça. Parce qu'on a tout qui est fermé. De dehors, franchement, ça. Si tu ouvres les fenêtres, tu vas entendre que ça fait un peu de bruit. Ouais. Alors d'extérieur. Parce que tout à l'heure, si t'es pas pressé, tu monteras dans l'RS et je te montrerai le bruit intérieur quand t'accélères. C'est pas la même. Mais je trouve que c'est assez silencieux. Après, tant mieux. Si c'est assez silencieux à l'intérieur et que ça fait du bruit à l'extérieur, c'est le parfait compromis, quoi. Bah du coup, ouais, tu vois, là j'ai ouvert les fenêtres. Ouais, peut-être que ça fait plus de bruit. C'est difficile de s'en rendre compte, mais peut-être que ça fait effectivement plus de bruit. Par contre, t'es parti en deux là. Ouais, là, ça marche encore mieux. Ouais, j'étais en deux, là. Ah, ça pousse bien, ça pousse bien. Bon, après, avec la puissance que t'as et le faible poids, je pense que tu tiens facilement ma Clio, même reprog. Hein. Bah là, tout à l'heure, on a accéléré un petit peu. Ouais. Je suis parti un peu après toi et bah, tu me distançais pas trop. J'ai vu que tu commençais à partir. Ouais. Mais c'était vraiment léger, quoi. Je pense pas que. Je pense que je peux te tenir jusqu'à, je sais pas, genre 140, 150. Après, tu partiras parce que je sais que t'as de l'allonge quand même. Ouais, bon, après, ouais, j'ai un petit peu d'allonge. Je suis sur un bloc avec une petite cylindrée, donc un 1 litre 6. Bon, toi un Ali 4, mais ouais, j'aurais peut-être un petit peu plus d'allonge que toi. En parlant d'allonge, la boîte est courte. 1, 2, 3, c'est plutôt court. 4, ça va. Par contre, la 5 est un poil longue. D'accord. Fond de 2, t'es à peu près à 90. Fond de 3, c'est un truc comme 130, 135. Fond de 4, tu dois être un peu plus de 180. Et puis bah, la 5, tu prends la pointe, quoi. Et puis dessus, des projets en termes de modification, enfin, projet piste aussi. Enfin. Modification, déjà j'ai des ressorts courts que je dois monter depuis que j'ai acheté la voiture. Ouais. Je l'ai jamais fait. Je voulais mettre une admission aussi. Je voudrais changer les sorties parce que j'aime pas moi les 4 sorties. Tu sais que je trouve qu'elles font un peu petites les 4 sorties. Et en plus le diffuseur est fait pour une sortie ronde comme les. Comme 145. Ouais. Et moi je préfère des sorties rondes. Je trouve aussi. Mais je veux pas changer silencieux parce que je trouve que le bruit est vraiment bien. Ouais, le bruit est bien. Ça, c'est vraiment bien. Et l'équivalent, ça serait quoi à Krapovic? Mais c'est 2000 € neuf, quoi. Mais plutôt satisfait de la voiture dans l'ensemble, hein. J'aime tout sauf l'insonorisation et le châssis que j'arrive pas encore à exploiter. Bon, après... J'ai encore l'habitude de la conduite de ma Punto et tout. Et ouais. Je la conduis pas beaucoup. J'ai un peu de mal. Et ouais, Punto, on en parlait tout à l'heure. Châssis de la Punto que j'ai trouvé excellent. Je l'avais essayé à Clastres et franchement, j'avais été bluffé par le châssis. Vraiment. Moi j'ai bien aimé aussi, j'avais Digitine B14 dessus. Ouais. J'avais en pneu du Dunlop SP Sport Max. J'avais des cales de 16 devant et 20 derrière. On rentrera tranquillou à gauche, ouais. Et t'en étais satisfait. J'étais bien content. Hein. Et ça freine bien? Ouais. Ouais. Ça freine bien. Enfin, tu me feras dire 4 pistons sur 1000 et quelques kilos. Ouais. Non mais écoute, moi plutôt satisfait de la voiture. Bon après. Le temps de faire un petit vlog comme ça qui tourne où on roule un petit peu plus de 10 minutes, on ira à gauche. On n'a pas trop le temps vraiment de très 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 bien exploiter la voiture, mais premier bon ressenti. Esthétiquement, je la trouve pas mal. Elle m'a vraiment surpris au niveau de l'intérieur, la qualité des finitions et la diversité aussi des matériaux. Ouais. Vraiment excellent. J'en garde quand même une bonne première image. À voir comment ça se comporte sur circuit. Mais sinon, là, ce petit essai routier, j'ai trouvé la voiture coupleuse. Avec une bonne reprise quand même. Ouais, et ça c'est un des points que j'aime dessus. En fait, j'étais surpris
parce qu'elle est moins puissante que ma Punto, mais elle marche mieux. Ouais. Et ouais, alors mais la Punto était préparée. Rapport poids-puissance, je ouais. pense, comme on ouais. le dit souvent. Non, mais satisfait. La, voilà, c'est la première fois que je monte dans une 500 Abarth. Et tu vois, je suis content. Pareil, j'ai été très surpris de la place intérieure. Je ne m'attendais pas à être aussi, aussi à l'aise à l'arrière. Et non. Non, satisfait. Satisfait. Et puis dans cette couleur, elle est magnifique. Bon, ok, Erwan. Bah, écoute, on te remercie pour la présentation de cette 500 Abarth. C'est la première. Et bah, ouais, je regarde une très très bonne image. Merci pour l'invite. Donc merci à toi. Et puis bah, à la prochaine. À la prochaine.